Chers pèlerins, et vous tous qui êtes en communion avec nous grâce à la télévision C'est les Lumières, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. La messe est offerte pour le repos de l'âme de M. Bruno Giraud. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Montre-nous ta miséricorde. Que Dieu tout aimant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, tandis que nous célébrons l'anniversaire de Saint Bonaventure, de mettre à profit les richesses de son enseignement et de prendre en exemple sa brûlante charité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, notre Dieu, qui vient nous aimer avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Du livre de la Genèse. En ce jour-là, Jacob donna cet ordre à ses fils. Je vais être réuni au mien. Enterrez-moi auprès de mes pères, dans la caverne qui est dans le champ d'Éphron le Hittite, dans la caverne du champ de Macpéla, en face de Mambré, au pays de Canaan, le champ qu'Abraham a acheté à Éphron le Hittite comme propriété funéraire. C'est là que furent enterrés Abraham et son épouse Sarah. C'est là que furent enterrés Isaac et son épouse Rebecca. C'est là que j'ai enterré Léa. C'est le champ qui fut acheté aux Hittites avec la caverne qui s'y trouve. Lorsque Jacob eut achevé de donner ses instructions à ses fils, il s'allongea sur son lit, il expira et fut réuni aux siens. Voyant que leur père était mort, les frères de Joseph se dirent, « Si jamais Joseph nous prenait en haine, s'il allait nous rendre tout le mal que nous lui avons fait. » Ils firent dire à Joseph, « Avant de mourir, ton père a exprimé cette volonté. Vous demanderez ceci à Joseph, de grâce. » Pardonne à tes frères leurs crimes et leurs péchés. Oui, ils t'ont fait du mal, mais toi, maintenant pardonne donc le crime des serviteurs du Dieu de ton Père. En entendant ce message, Joseph pleura. Puis ses frères vinrent eux-mêmes se jeter à ses pieds et lui dire, voici que nous sommes tes esclaves. Mais Joseph leur répondit, soyez sans crainte, vais-je prendre la place de Dieu? Vous aviez voulu me faire du mal. Dieu a voulu le changer en bien afin d'accomplir ce qui se réalise aujourd'hui, préserver la vie d'un peuple nombreux. Soyez donc sans crainte, moi je prendrai soin de vous et de vos jeunes enfants. Il les réconforta par des paroles qui leur allaient au cœur. Joseph demeura en Égypte avec la famille de son père et il vécut 110 ans. Il vit les petits-enfants de son fils Éphraïm. Quant aux enfants de Makir, fils de Manassé, son autre fils, il les reçut sur ses genoux à leur naissance. Joseph dit à ses frères, « Je vais mourir. Dieu vous visitera et vous fera remonter de ce pays, dans le pays qu'il a fait serment de donner à Abraham, Isaac
et Jacob. Joseph fit prêter serment aux fils d'Israël en disant, « Quand Dieu vous visitera, vous ferez monter d'ici mes ossements. » Et Joseph mourut à 110 ans. Parole du Seigneur. D'Abraham, son serviteur, les fils de Jacob qu'il a choisi. Le Seigneur, c'est lui notre Dieu, ses jugements font loi pour l'univers. Pauvre qui cherche du Christ, heureux êtes-vous, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Alléluia, alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres, « Le disciple n'est pas au-dessus de son maître, ni le serviteur au-dessus de son Seigneur. » Il suffit que le disciple soit comme son maître et le serviteur comme son seigneur. Si les gens ont traité de Belzéboul, le maître de maison, ce sera bien pire pour ceux de sa maison. Ne craignez donc pas ces gens-là. Rien n'est voilé qui ne sera dévoilé, rien n'est caché qui ne sera connu. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en pleine lumière. Ce que vous entendez au creux de l'oreille, proclamez-le sur les toits. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps sans pouvoir tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr dans la géhenne l'âme
aussi bien que le corps. Deux moineaux ne sont-ils pas vendus pour un sou? Or, pas un seul ne tombe à terre sans que votre Père le veuille. Quant à vous, même les cheveux de vos têtes sont tous comptés. Soyez donc sans crainte, vous valez bien plus qu'une multitude de moineaux. Quiconque se déclarera pour moi devant les hommes, moi aussi, je me déclarerai pour lui devant mon Père qui est aux cieux. Mais celui qui me réunira devant les hommes, moi aussi, je le réunirai devant mon Père qui est aux cieux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Avec la première lecture d'aujourd'hui, nous finissons la méditation du livre de la Genèse. Les frères de Joseph ont du mal à croire à la réconciliation totale. Leur culpabilité inscrite en eux les incite à la peur. Mais tant que Jacob, leur père, était vivant, ils étaient sûrs que Joseph ne pourrait pas se venger de leurs méfaits. Avec la mort de leur père, de nouveau, la peur les envahit, et ce, malgré l'empathie de Joseph à leur endroit. Alors, pour la première fois, ils demandent humblement le pardon, expliquant que c'était la demande de leur père sur son lit de mort. Joseph, de son côté, voit les choses autrement. Il voit son aventure avec le cœur et les yeux de la foi de son père, Jacob, la foi de ses grands-parents, Isaac et Abraham. Et c'est fort de cette foi que Joseph tire la leçon de son aventure. Le mal que vous avez planifié de me faire, le dessein de Dieu l'a tourné en bien. Alors une vie familiale est encore possible. La fraternité blessée a été reconstruite. Bien sûr, Joseph n'a pas cherché à cacher ou à minimiser le mal que ses frères lui ont fait. Mais ce qui est remarquable, c'est qu'il a su le mettre en rapport, en perspective, avec le projet de salut de Dieu. Dieu peut et va se servir même de la méchanceté des humains pour accomplir sa volonté. Et ça, c'est toujours un mystère pour chacun d'entre nous. Selon saint Paul, Dieu peut faire en sorte que tout contribue au bien de ceux et celles qui aiment Dieu, de ceux et celles qui sont appelés conformément à son plan. Chers pèlerins, frères et sœurs, en définitive, la vie et l'histoire de Joseph est comme un hymne de louange et d'action de grâce à la miséricorde infinie de Dieu et à sa fidélité. La vie de Joseph, avec ses peines et ses joies, nous rassure encore aujourd'hui que l'histoire de chaque personne, tout comme l'histoire familiale et sociale,
est et demeure un récit de Dieu. Oui, dans la foi, votre histoire de vie, encore aujourd'hui, est à construire, à accueillir et à comprendre comme un récit de Dieu. Tout humain, toute personne est une histoire sacrée. Tout humain, toute personne est à l'image de Dieu. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. En célébrant, Seigneur, la mémoire des saints, nous offrons ce sacrifice à ta louange. C'est en lui que nous mettons notre espoir, qui nous délivre du mal, aujourd'hui et demain, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En célébrant aujourd'hui la fête de Saint Bonaventure, nous admirons ta sollicitude pour ton Église. À l'exemple qu'il a donné, tu nous encourages. Par son enseignement, tu nous éclaires. À sa prière, tu veilles sur nous. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant. Saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions.
Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Christian, et toutes les personnes qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs, qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Bonaventure, Saint Frère André, Sainte Catherine Tecacuita, les saints et les saintes de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix
et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui nous aimes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle.
Le bon pasteur donne sa vie pour ses brebis. Prions ensemble le Seigneur. Que cette communion, Seigneur notre Dieu, ravive en nous l'ardeur de charité et nous brûle de ce feu qui dévorait Saint Bonaventure, alors qu'il se dépensait pour ton Église. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez et demeurez dans la paix et dans la joie du Christ. Passez une très belle journée.